Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur OpenSS4. Je peux enfin demander à Ajam de devenir non seulement un allié, mais surtout un vassal. Ce qui me plaît beaucoup. Comme ça, on va pouvoir lui donner des territoires aux Timurides, aux Karakoyunlu, et même une à la Grande Horde. La Grande Horde a plus ou moins perdu sa guerre, à mon avis. Ah, quoi qu'ils sont très nombreux. Il reste qui comme adversaire? Juste Nogai. Ouais, c'est étonnant. Alors, c'est la Transoxiane qui a fait la paix et qui a réclamé qu'ils rendent des territoires à Nogai. J'ai compris ce qui s'est passé. J'avais vu que Nogai avait beaucoup grossi lorsqu'un des deux pays avait fait la paix. Comme ils ont à peu près le même bleu, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, c'est la Transoxiane qui a rendu des terres à Nogai et Nogai qui est resté en guerre. Ah, quoi contre moi? Il est tout seul, j'ai envie de l'attaquer. Il est tout seul. Il est tout seul avec le Timuride, c'est ce que je dis. C'est pas grave, après tout. On donnera des territoires du Timuride à Ajam. Ça nous fera une trêve avec le Timuride qui lui aussi pourrait quasiment rentrer dans la Koa. Et ça me permettrait de relier mes territoires à celui du Dawalasari. Plus peut-être de faire le lien ici sans avoir besoin de passer de l'autre côté du désert. Très bien. C'est parti. On est beaucoup plus nombreux. On va les faire aller jusque là. Eux, ils vont prendre Bagdad. C'est des sunnites, mais ils ont beaucoup de territoires chiites. Ce qui n'est pas un problème en soi. Hein. Mamelouk a rejoint la Koa. Heureusement, c'est une autre Koa. Il ne peut pas rejoindre la guerre. Je dis ça en même temps, j'essaye de me convaincre. Moldavie a rejoint la Koa. Ouais, maintenant que je suis en guerre contre des assez gros pays quand même. Plus de gens pour rejoindre la Koa. Ah, il y a eux aussi. Bah, eux, ils risquent de se faire dévorer. On verra. Si je fais une guerre à fond. Ou alors une guerre où je fais sortir les Timurides, ce qui est probable. Palatina veut passer. Passe. Gênes a rejoint la Koa. Ça fait beaucoup de monde quand même. Qui sont mes alliés? L'Espagne, la Bohème. En ces temps difficiles, je pense qu'il est important que nous nous serrions les coudes. D'accord, eux, ils ont revendiqué tout ça. Je pense qu'avoir des revendications communes ne posera pas trop de soucis. Tant qu'on n'a pas décidé d'envahir Naples. Alors, j'avais pas activé mes forts partout. Pourquoi pas, on peut le tenter de faire une guerre sans tous les forts. Il y en a beaucoup qui seront probablement inutiles. Mais ça m'a l'air plus futé d'activer ceux qui sont à la frontière. Pas de capacité en siège. Ce fort-là est tombé. On peut toujours. Ah si, on peut faire un long détour. C'est ce qu'on va faire quand même. De toute façon, là, il y a une montagne. Tant que j'ai pas le passage sur le Karakoyunlu, il faudra que je passe par ce coin-là. Un siège de Katif. Siéger, on va donner le contrôle à Dawassir. Heureusement, je peux rechanger. Avant, on pouvait pas rechanger les sièges de nos vassaux et c'était particulièrement embêtant. On a beaucoup de points sur la Grande Horde. Astrakhan devrait m'appartenir, je dis. Ah, et Nogai a achevé leur territoire qui était. Or,
hors de la zone que j'ai enclavée. Je sais pas si on peut dire que c'est une enclave dans la mesure où ils ont un accès à la mer Caspienne, mais en même temps, c'est pas une vraie mer qui communique avec tous les autres océans du monde. Enfin, c'est pas un accès à l'océan. Je sais pas dans les termes d'enclave si jamais la définition correspond ou pas. Bonjour, messieurs. Au revoir, messieurs. Monsieur, mesdames, il y a peut-être des soldats, je sais pas. Je pense pas que je puisse passer là. Alors, on va acheter le pain. Je trouve que c'est la meilleure option tant qu'on n'est pas ruiné. Ils ont décidé de manger la grande horde. Bon bah, ils ont pas de forces alliées, ça m'embête pas. On va pas arriver à temps. C'est la populace timoride qui les embête. Les Timurides sont nombreux, c'est le grand morceau. Ils ont un peu peur de moi, je pense, mais si je déploie pas assez de troupes, il y a quand même un risque qu'on se fasse avoir. Oh, il y a des séparés. Attendez. Prenons un conseiller. Ils sont à moins 14, on va attendre encore un peu. Tout en rapprochant nos troupes. Doucement mais sûrement. Ah, ils ont bougé. Combien? 7. On va attaquer. Fin de la guerre des paysans. D'accord, c'est moi qui leur ai terminé la guerre des paysans. J'y crois pas. J'ai éliminé le dernier groupe de paysans pour eux. On a beaucoup de monde qui est en train de passer. On n'a pas un bon score sur eux. La défense des forts. Je sais pas si les forts contrôlés par moi comptent comme des forts impactés par la défense des forts. On va envoyer eux. Et avant qu'ils n'arrivent, envoyez eux aussi. On va considérer que c'est suffisant. Allez vous charger d'eux. Plus un petit coup de main. Notre fort qui va tomber prochainement. Fin du siège de Hera, ok. 66, commence à être bon. Je voulais voir ce que ça donnait sur les religions. Probablement que la bohème va finir réformée. Il y a pas mal de. Il y a des pays protestants, je sais pas si mais c'est pas mal là, par rapport à la date. Ou pas. Timurid, ils sont en moyen. Et il va falloir rendre. Non, accorder, rétrocéder des provinces légitimes. C'est Ajam qui nous intéresse. Ajam. Ajam. Et c'est déjà trop pour eux. Si je fais un truc comme ça, ouais, ils veulent bien. Deux provinces pour Ajam. On a fait la guerre contre eux, donc. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être fait une bêtise, je peux plus passer dans le Timurid.
Si je peux. Ok. Comme ils ont rendu des provinces légitimes, j'aurais pas à m'en soucier. Allez, on rentre, tout le monde rentre. Juste vous, vous allez passer par là. Si je peux passer, oui, ils m'ont laissé passer. Quelle erreur stratégique. Ça, c'est au Caracolino, je me souvenais pas. Visiblement, le Caracolino gagne contre la Grande Horde, pas de beaucoup à mon avis. Bon, ça reste des territoires enclavés dans mon empire qui arrêteront un jour ou l'autre. Je vais faire ma propre paix, si vous permettez. Toi, tu peux disparaître peut-être. Je peux pas prendre si je cède à Dawasir. Tu acceptes de disparaître. Alors cède-moi tous tes sous, ouais. Et abandonne tes revendications. C'est très bien comme ça. Et l'autre. On va pas demander la petite île. Quoique c'est une province qui a pas de fort, donc on pourrait. Sauf que je pourrais pas la passer en contrôle à mon allié Dawasir. On est toujours dans le même état, on va leur donner Dawasir et le reste on va prendre pour nous. Est-ce que Ajam a des... Ouais, il a une province légitime. Donc rend sa province à Ajam. On peut peut-être du coup donner des provinces à Ajam de ce côté-là. On peut. D'accord, je vais en prendre pour moi aussi. Province que je revendique. Alors, on va demander une de moins pour Ajam. Là, c'est à doigt aussi. Ça m'intéresserait plus d'avoir... Bon, on va demander ça. Pourquoi ne pas aller à 100? Peut-être parce que ça fait beaucoup de monde en face. Même Look, ça fait déjà longtemps qu'ils y sont. Caracolino et Grande Horde, ils sont tellement enfoncés que je pourrais rien faire. Awassar, il peut déjà rejoindre. Timurid, il peut déjà rejoindre. Mandrezan, c'est un nouveau. Hormuz, c'est un nouveau. Nogai... c'est plus. Ça m'éloigne du fait qu'ils risquent pas de sortir rapidement. Khorasan, qu'est-ce que ça représente comme taille? C'est ce petit machin, ça fait pas peur. Yémen, Sistan, Transoxiane, ça fait un gros morceau. Baloutch, un peu aussi. J'ai pas amélioré mes relations avec les Baloutch. Je pense qu'on va quand même demander ça. Parce que ça change beaucoup si je retire une province. Baloutch 60. Baloutch 62. Non, ça change vraiment pas beaucoup. Le contrôle va être à Ajam. D'ailleurs, je pourrais demander cette province-là, sinon. Pour moi ou pour Ajam. Comme ça, ça nous rapproche de la fusion entre les deux pays. On n'aura plus qu'à prendre des provinces au Caracayonlu. Ça m'a l'air plus intéressant. Il y a des séparatistes Caracolino dans ce coin-là, on va les éliminer. D'ici peu. Ok, on signe. On a conquéri la Mésopotamie. Et on a deux nouvelles revendications, y compris jusqu'à notre vassal. Plusieurs provinces à légitimer, des provinces à convertir. C'est vraiment très lent. L'Espagne demande parce qu'on vienne à son aide dans la guerre contre Naples. Bien sûr que nous allons venir. Ah, ils ont déjà tellement avancé. Je pense pas que j'aurai des provinces napolitaines. Celle-là, par exemple, elle m'intéresse beaucoup. Du fait qu'elle soit très proche des états pontificaux. État pontificaux, il y a Mayence, Venise et Florence. Le truc, c'est que prendre Rome, c'est un gros morceau et ça risque de déplaire à beaucoup de gens. Alors, j'ai de la chance parce que avec eux, je peux passer. Avec eux, je ne peux pas. D'accord. C'est bon, il passe. Je sais pas pourquoi. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe pas. Bon, j'ai une armée qui reste du côté du Dawasir. J'aurais dû prendre cette province-là, en fait.
quoi qu'il m'en coûte, dans la mesure où c'était le lien vers le Dawasir. Tant pis. On va rejoindre. Ah, du coup, Khorasan et Baloutch, on rejoint. Baloutch, je pensais qu'on était copains. Afghanistan, on est copains. Même si jamais ils ont beaucoup d'expansions agressives, comme quoi c'était pas perdu de d'améliorer nos relations avec eux quand même. Voilà, la Transoxiane, on va aussi améliorer nos relations. Ils peuvent rejoindre, nos guys, c'est pareil. Ah ben, ils ont rejoint. Bon, moi, j'ai pas de pays d'Europe. Enfin, Gênes, ils ont des provinces tout près de moi, donc c'est pour ça qu'ils sont très vexés. Ah, ils ont appelé la croisade contre nous. La France a gagné finalement sa guerre contre l'Espagne qui avait siégé tout le sud de la France et a conquis la Provence. Bon, très bien. Naples a perdu, je pense qu'ils vont se faire prendre beaucoup de provinces par eux. Sistan a rejoint, c'est un tout petit truc. On me dirait tout petit truc par tout petit truc, ça finit par faire gros. On va faire un modèle qu'on va appeler 20. C'est des troupes que je fais de façon très très standard, très très souvent. Sauvegarder et on va en créer un. Je pourrais même en faire deux. Mais j'ai pas si peur de la quoi. Moscovie attaque Pologne-Lituanie, j'imagine. Défenseur face à Pologne dans la conquête polonaise de Bletz. Donc ils sont alliés à la Galice-Volhynie. Et bien embêté de devoir les défendre. Probablement. Enfin, bien embêté. Ils sont costauds, mais. D'ailleurs, ce serait peut-être le moment que je les attaque dans le dos. Là, pour l'instant, j'ai une guerre à côté de l'Espagne. Chaque chose en son temps. Voilà, je pense que c'est fini d'ailleurs la guerre contre l'Espagne. Enfin, aux côtés de l'Espagne. Oh, j'avais pas vu William. Ça fait longtemps que j'ai tué les rebelles, j'aurais dû le faire plus tôt. Banqueroute pour le Ming, après l'effondrement. Et ils font toujours plus 3. Il faut 3, toujours 3 guerres pour les annexer complètement. C'est pas mal. Pour eux. Hormuz aux alliés à Karakoyunlu. La prochaine fois que je fais la guerre. Hormuz a rejoint. Karakoyunlu, ils n'ont pas rejoint encore. Est-ce qu'on a une trêve? Oui. 38. Je pense que j'attendrai pas la fin de la trêve. Enfin, j'attendrai tout pile la fin de la trêve pour leur redéclarer la guerre. Ah, l'Espagne est siégée quand même. La Grande Horde. On a une trêve avec eux. Jusqu'en 43, il me laisse beaucoup de marge. Baloutchi me réaime? Non, toujours pas. Ils sont indignés. Je vous ai pas imposé la paix contre l'Afghanistan et vous êtes quand même indignés, je comprends pas. Hein. Moscovie a annoncé que j'étais son rival. Juste après la fin de la guerre contre la Lituanie, où il y a eu une paix blanche. Paix blanche, tout à fait. Naples, ouais, ils se sont taillés une bonne part de Naples. J'ai pas eu le temps de participer à la guerre, donc je méritais pas grand-chose. Venise n'a plus de territoire chez moi, à l'exception de Chypre, qui est un fort. Donc j'ai plus vraiment de raison de les attaquer et de mettre les états pontificaux en co-belligérant. Sauf si j'arrive à prendre ces deux provinces-là et ça me fait un pont pour aller revendiquer là-bas. C'est des territoires autrichiens. Je voulais attaquer la Serbie, qui est juste alliée à la Bosnie. Je dis que c'est une bonne occasion, moi.
J'ai plus aucune expansion agressive de ce côté-là. J'ai deux armées dispo, une troisième en chemin et même une quatrième par mesure de sécurité. Toujours beaucoup de revendications chez eux. Et j'ai besoin d'un passage pour aller vers Raguse et Qatari, donc la province par exemple celle-là. Allez, ne tardons plus. Une dernière revendication sur la Grande Horde. Karakoyunlu a pris pas mal de territoire. J'ai des revendications sur eux, Karakoyunlu, pas vraiment. Commençons à en faire à nouveau. Niveau mission, qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas encore fait. J'en ai pour du chemin et après il va m'aider à prendre quoi? C'était après il va m'aider à prendre la Tunisie. Oh là, tout le nord en fait. Conquérir la Crète, Moka. Après le Hedjaz. D'accord, j'ai des revendications pour tous les territoires mamelouks jusqu'au Maroc et jusqu'au Yémen. Voilà, une fois que j'aurai fait la Serbie, il va me donner la Bosnie, le contrôle du Danube, Transylvanie et la Valachie. Par exemple, la Valachie, il dit. D'accord, non, il dit qu'il va me donner ces deux trucs-là. C'est parti. Mince, il y a la Moscovie. On va quand même guerroyer contre eux. Est-ce que je mets la Moscovie en co-belligérant? Dans ce cas-là, ça demande une réorganisation stratégique. Attention que j'ai des armées coincées, moi. Deux. Il y a peu de chances que mes alliés demandent qu'ils m'offrent l'accès militaire ou quoi que ce soit. Gênes s'est retiré de la Coa. C'est bien. De leur part. Venise ne peut pas y être non plus. Allié à Moldavie, y aura-t-il l'indépendance de Nogai? J'ai envie de faire deux guerres. Une contre eux. Ah mince, Moldavie elle est dans la Coa, c'est vrai, j'avais oublié. Peut-être qu'on peut appeler la. Donc on va refaire une armée. Ça va être utile, je pense. What? Attends, il m'a fait des troupes jusque-là? Non, c'est le nombre de jours que ça prend. Ok, j'ai cru qu'il m'avait lancé des troupes vraiment partout. Donc, trois armées pour la Moscovie et deux pour la Serbie. Avec l'aide de la Bohême, on va être beaucoup plus nombreux. A priori, pas de grand risque. Et on va pouvoir commencer à se tailler un chemin vers Moscou. Ils ont encore quelques provinces sunnites que je pourrais réclamer avant qu'elles ne soient toutes converties. Il y a des convertisseurs d'ailleurs. Allez, ne tardons plus, je suis pas tout à fait prêt de l'autre côté, mais. Voilà. Conquête de Kosovo. La mine d'or. On a tellement plus de fantassins. On n'a pas le total des armées, j'ai un peu la flemme de le calculer, mais. Et 20 000 hommes de plus. J'ai oublié d'activer mes forts, on va remettre les préparatifs de guerre autour parce que ça m'arrive de faire des grosses bêtises du genre je n'active pas mes forts. Et après j'ai des tout petits étages en Moldavie qui arrivent à me prendre des forts. Un truc qu'on pourrait faire c'est sortir la Bosnie. Ça va pas me demander beaucoup d'efforts à mon avis. Allez, allons par là. La Grande Horde est à nouveau stable. Je pourrais les manger en une fois.
Ah, j'ai déjà de l'aide sur ce fort-là, faisons le suivant. Est-ce que je gouverne comme bon m'ensemble? Non, on va payer un peu pour améliorer leur sort. C'est fou que la Moscovie soit faible militairement alors qu'elle fait déjà une sacrée taille. Pas tellement envie que ça change. Qu'il reste petit. Qu'il reste moyennement gros et quand même faible. Ah non, il y a une autre armée qui est arrivée. Moldavie a réussi à récupérer tout son territoire en contrôle. Ils l'auront pas pendant dans la paix, mais je suis admiratif. Je sais pas si c'était des bateaux serbes. C'est la Serbie qui a un point. Le progrès, c'est l'acceptation de tous. Les dissensions mesquines au sein du pays en ont longtemps retardé le développement. Mais depuis que le gouvernement est ouvert à tous les hommes de talent, nous avons pu enregistrer des progrès remarquables dans le développement économique de certaines provinces. Et oui, je sais pas si c'est les doctrines de tolérance, le fait que j'ai des conseillers d'autres confessions slash culture ici. Non, pas confession, juste culture, criméen, ruthène. Le fait que j'ai beaucoup de nations acceptées, d'ailleurs les Géorgiens vont rejoindre les acceptés. Le gros morceau, c'est la Moscovie. Yeah, ils m'ont ouvert le chemin. Peut-être sans le vouloir. Et les Mamelouks aussi. Fin du siège de Moscou. Je sais pas où sont les armées moscovites. Hein. Là, il y a une petite petit groupuscule, mais non, attends, pardon. Je veux que tu passes par des provinces genre comme ça pour explorer un peu la Moscovie. Pas quelles sont les provinces les plus pauvres qui coûteraient le moins à prendre, celle-là. Je peux faire Tambov, Dissoudite, ça peut être la même chose. Riazan un peu riche. Bon, après, je suis peut-être pas obligé de me limiter dans la province que je prends. Moscou, ça leur paraît trop. Ça fait quand même une sacrée quoi. Enfin, les provinces qui n'ont pas été converties. Plus. Peut-être Tambov, Riazan. Là, j'aurais la Moldavie. J'aurais pas la Moscovie contre moi. Un peu de points pour tout le monde, mais pas tellement. Après, c'est très loin. Peut-être que ça. Par contre, ça fait beaucoup de surexpansion. Il faut que je fasse gaffe à ça aussi. Là, il y aurait la Moscovie à 136. Oh, j'ai pas. Donc, je l'ai pas vu. Alors, la Moscovie 84. 74. J'ai envie de prendre beaucoup quand même. Alors si je prends 54 et que je suis raisonnable sur la Moscovie, je pourrais prendre plus sur ses voisins. Et je peux lui demander de accorder l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas des Tchernigov, Astrakhan? Astrakhan, je pense que j'ai le Provence à eux. Ça peut être des gens comme Kazim. Je voudrais m'en faire des vassaux directement. Je pense pas que ce soit possible. On va faire ça. Je pourrais demander plus de sous si je continue un petit peu. On va les ruiner. Enfin, on va les endetter. Les faire s'endetter. Et après, ce sera fini, visiblement. La Moldavie a été siégée.
Voilà, la Moscovie, vous avez perdu. Est-ce qu'on peut pas les humilier? Non, je les ai pas mis en niveau moins. Je peux demander 1800. Ça a été à 1500. Hop. Voilà, ça me fait une province orthodoxe qui fait un peu une pointe pour avancer où je veux. On fera un réseau d'espionnage sur eux après. C'est bien d'arriver, vous, mais c'est pas beaucoup trop tard. Je sais pas comment dire autrement. Karakoyunlu, quand est-ce que ça s'arrête? 38, et bien ce sera les suivants. La Bosnie. Va me céder son or. J'ai les provinces en fait. Je pourrais demander. Le truc c'est que ça va me demander beaucoup plus d'expansion. Par exemple, celle-là, elle me prend 18. Cette province à 7. Où est-ce qu'il y a une autre province à 7? Disons la province à 8. Ou alors à 6. Province non revendiquée par moi. J'ai que 9. Voilà. Je peux pas tout demander. Le truc, c'est que ça fait des points sur la Moscovie aussi. Donc il pourrait rejoindre. La Bosnie passerait à 50. Va falloir qu'on attende la fin du. On va attendre la fin du mois. Il faut pas, mais. Est-ce qu'ils ont adopté? Non, rien du tout. Ormuz s'est retiré. Ah, maintenant que l'Espagne a ces territoires-là, ça se répand. Vite, probablement. Très vite. Et Gênes se répand aussi très vite. Ah, ça serait beaucoup plus si jamais j'étais ami avec eux. Pour améliorer nos relations. On va réclamer les provinces les plus développées. J'ai vu du passé du 11. C'est le plus Ardabil. Ah, quoique Ardabil, c'est pas à eux par hasard. Non, c'est la dernière province que je pouvais prendre pour m'approcher d'eux facilement. Enfin, c'est une des provinces que je pouvais prendre pour m'approcher d'eux facilement. Mandrezan s'est retiré de la coalition. Khorasan s'est retiré. Mamelouk s'est retiré. Je ferais pas ça à leur place, mais. Après, ils veulent pas se retrouver tout seuls, donc là, quand les gens se retirent, ils se retirent aussi. Je sais pas si je peux. Ça ferait plus. Le Kosovo, je le voulais. Par contre, ces provinces-là, je les veux pas forcément. Faire du 109 là. Pas trop de surexpansion. Et en fait, faut que j'attende longtemps parce qu'il faut que. 40% ou alors je prends suffisamment peu pour que ça fasse 60% plus 40%, on est tout juste bon. Peut-être que je pourrais prendre Parassi, prendre Zeta à la place, ça fait 55, il y a une différence de développement, ou alors je laisse celle-là 99 59%, je vais éviter d'atteindre les 100 tout pile. Plus de l'argent. Voilà. Peut-être qu'on sort la Bosnie d'abord en leur demandant d'abandonner. Non, il faut pas qu'ils soient complètement isolés non plus. Peut-être qu'ils peuvent me libérer beaucoup de sous. Herzégovine, c'est censé être. Bon, je peux pas vraiment les faire un vassal. Donc on va s'arrêter là. Et Dunk est sorti. Et de 2. Apparemment, j'aurais pu prendre plus, ça m'a coûté moins que ce qui était indiqué. Ah non, j'ai oublié d'inverser. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, c'est exactement ce que ça m'a demandé. Il y a des Napolitains qui se soulèvent. J'ai perdu un homme d'État.
Tu payes énormément en maintenance des armées, on va prendre pas trop trop cher. C'est quel mois, la fin de la trêve? Janvier. Dans vraiment pas longtemps. Perdons pas de temps. Est-ce que j'ai encore de la... Faudrait que j'attende ça quand même. La Bosnie pourrait rejoindre, mais pas la Hongrie, pas l'Autriche, Venise et Gênes tout juste, pas Naples. Je pourrais avertir la Moscovie pour l'empêcher de grossir sur mes voisins. Envoyer un avertissement. S'ils s'attaquaient à l'un de nos voisins, nous devrions alors entrer en guerre contre lui. Exactement. Je ne veux pas qu'ils grossissent. Galice-Vosnie. Donc la Pologne ne peut pas, mais Galice-Vosnie, ils peuvent. Et on a de l'expansion agressive sur la Pologne? 26, ouais, je les ai pas vus dans le descriptif. Ah oui, je le vois maintenant. On va s'arrêter là pour cet épisode maintenant. On se retrouve bientôt dans le suivant.